Et salut, je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de septembre. Et oui, déjà, le mois de septembre est passé. Ça a été un mois de septembre plutôt difficile et en même temps, voilà, le mois de septembre c'est aussi le mois de mon anniversaire, mais il y a eu des événements pas cool du tout non plus. Bref, je tenais également à m'excuser pour mon absence de cette dernière semaine sur la blogo. Je vous avais promis plein de vidéos et puis voilà, un événement s'est produit, un événement qui m'a vraiment beaucoup marqué, qui m'a fait beaucoup de mal. Tout ça pour dire que je m'excuse et également pour remercier toutes les personnes qui ont été présentes pour moi. Sinon, bah moi je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter toutes les acquisitions que j'ai pu faire au mois de septembre et je vais faire très vite. J'ai encore craqué mon slip, je suis désolée, mais j'ai eu une bonne excuse. Voilà, c'était mon anniversaire ce mois-ci et donc j'ai eu pas mal, j'ai été bien gâtée. Et d'autre part, la moitié, les trois quarts des livres que je vais vous présenter, ce sont des occasions. Je n'ai pas acheté de livres qui... Je n'ai pas acheté de livres qui n'étaient pas en occasion du tout ce mois-ci. Non mais vous vous rendez compte ? Je commence tout d'abord avec des livres qui m'ont été offerts. Vous avez déjà eu l'occasion de les voir sur la chaîne. Pas tous peut-être, mais une partie. J'ai donc reçu le troisième tome, comme vous le savez déjà, de la saga Harry Potter dans les éditions Gallimard. C'est la code dans les éditions Gallimard, c'est l'édition Deluxe. Donc voilà, un superbe livre relié qui vient avec sa boîte illustrée. Voilà, c'est doré, c'est beau, c'est magnifique, j'adore ces bouquins. Je remercie encore la personne qui me les a offerts, qui me l'a offert. Ça me fait tellement plaisir, je les trouve sublimes. Donc voilà, Harry Potter de J.K. Rowling, le numéro 3. Je pense que vous connaissez tout, je n'ai pas besoin de faire les présentations. Je poursuis avec un livre que vous avez déjà eu l'occasion de voir en cours d'un de mes unboxings. Souvenez-vous, c'est Lily qui me l'a offert pour mon anniversaire. D'ailleurs, Lily, encore merci, vraiment. Il s'agit du Pays des Contes de Chris Colfer, Le Sortilège Perdu, qui a été publié chez les éditions Michel Lafon. Encore merci Lily, ça me touche énormément. Je poursuis ensuite avec un autre cadeau. Encore une fois, pour mon anniversaire, il s'agit du deuxième tome de 1984. Souvenez-vous, je vous avais présenté le premier tome dans mon dernier book haul. Donc c'est de Haruki Murakami. Haruki Murakami, voilà. Et c'est publié chez les éditions 10-18. Encore merci Mélissa, ça m'a vraiment trop fait plaisir. Moi, je te fais un bisou. On m'a également offert le livre 3, donc le troisième volume et dernier volume de cette saga, donc 1984, toujours de Haruki Murakami, toujours édité chez la collection 10-18, non, chez les éditions 10-18 plutôt. Là, c'est une amie à qui je tiens énormément qui me l'a offert également, donc à toi aussi je te fais de gros bisous. Et si tu remarques bien, et ouais, je les porte tout le temps. Et enfin, dernier cadeau livresque qu'on m'a offert pour mon anniversaire, il s'agit d'un livre sublime, mais là il n'y a pas de mots dans ce livre, mais plus des images, puisqu'on m'a offert un livre de coloriage. Oui, je colorie comme les enfants et j'adore ça, alors ne vous moquez pas, d'accord? C'est le Art Therapy sans coloriage anti-stress qui est publié chez Hachette Loisir et qui est juste génial. J'adore faire ça le soir quand j'ai envie de ne penser à rien et d'être tranquille dans ma bulle. Voilà, je vous montre mon tout premier coloriage que j'avais fait avec 4 feutres seulement. Ah, voilà, donc gros bisous à toi ma petite Alejandra. Pareil, tu m'as fait vraiment trop plaisir avec ce cadeau. C'est déjà tout pour les cadeaux que j'ai pu recevoir pour mon anniversaire. Enfin, déjà, hein, tout est relatif, j'en ai quand même eu pas mal. Là, j'ai ma palle qui va exploser. Et quand vous allez voir ce qui suit, vous allez vouloir me foutre une tarte. Je vous en avais déjà parlé, ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Le livre qui a marqué mon enfance. Et vraiment, je pense que je vais le relire parce qu'en plus, là, je suis en train de regarder qu'il n'était pas du tout gros. J'avais l'impression que c'était un truc monstrueux, que j'avais mis des plombes et des plombes à le lire alors que j'avais adoré. Et là maintenant que je l'ai sous les yeux, je me dis ok, ça doit être le livre le plus court et le plus petit que j'ai dans toute ma bibliothèque. Je vous parle de L'œil du loup de Daniel Penac que j'ai ici chez les éditions Pocket Jeunesse. Et c'est un livre tellement fabuleux, enfin bon, vous pouvez constater qu'en plus il y a des illustrations, c'est écrit assez gros, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille, si vous avez des enfants, je vous le conseille, enfin vraiment c'est un livre magnifique avec une morale juste superbe. J'ai également acheté Une irrésistible envie d'aimer de Meg Cabot que j'ai dans la collection Le Livre de Poche. J'ai aussi acheté Les Minimoys de Luc Besson, Arthur et les Minimoys, hein, de Luc Besson, je savais même pas que c'était Luc Besson qui avait écrit ce livre. Donc je suis vraiment surprise.
Mais on en a beaucoup parlé, j'ai très envie d'essayer juste pour voir si le film est aussi bien que le livre ou le livre est aussi bien que le film. Enfin, j'en sais rien, j'ai envie d'essayer quoi. Et je l'ai chez Le Livre de Poche encore une fois, donc avec la quatrième de couverture rouge. Merlin de Anne-Marie Cadeau-Collin chez Le Livre de Poche également, avec la quatrième rouge. Une très courte version du Don Quichotte que j'ai également chez Le Livre de Poche de Miguel de Cervantes. Voilà, je suis censée le lire pour les cours, mais quand j'ai vu la taille du truc qui fait, je sais pas, il fait deux volumes énormes, et en ce moment j'ai pas du tout envie de lire ce genre d'œuvre, je me suis dit, bah, allez, tu vas tricher un petit peu, juste un petit peu pour avoir, faire genre, d'avoir un petit peu de culture personnelle. Si mes profs passent par là, ils vont me tuer. Bref, j'ai donc acheté un très très petit, tout petit, court extrait, très très court extrait du Don Quichotte. Je pense qu'ils ont dû couper ça pour les enfants. Mais je suis encore une enfant dans ma tête, n'est-ce pas? Escale au pays du nougat en folie, édité chez Scripto de Louise Rennison. Je termine ce book haul avec une série complète, en fait. Le manga, c'est un manga que j'ai lu à maintes et maintes reprises. Vous le savez, quand j'aime les mangas, j'aime les avoir... en tout cas, les séries que j'aime en manga, j'aime les avoir avec moi pour pouvoir les relire quand je veux. Et là, ils étaient tous d'occasion et je me suis complètement laissée avoir et je les ai tous achetés. Et au final, ça revenait quand même assez cher, mais bon, c'est pas grave, hein. on dira rien. C'était d'occasion, alors je suis pardonnée. J'ai acheté Les C'était Nous de Yuki Obata, publié chez Soleil Manga. Donc ils sont tous publiés dans la même édition et je vais juste vous montrer les couvertures. Ça va du tome 2 au tome 16, préparez-vous. Je vous dirai pas combien je les ai payés, parce qu'après vous allez faire le calcul dans votre tête et vous allez m'engueuler. Donc je vous dirai pas combien je les ai payés. Le tome 2, le tome 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le 11, le 12, 13, 14, 15 et 16. Oui, je sais, j'en ai acheté 15. Pas la peine de me répéter, je le sais. C'est donc déjà tout pour ce book haul du mois de septembre. Si vous avez des questions à me poser sur les livres que je viens de vous présenter, je me répète, mais n'hésitez pas, je suis là pour ça. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait beaucoup d'achats et je joue sur ma date d'anniversaire et les occasions que j'ai pu acheter pour me justifier. Sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures. N'hésitez pas à partager avec moi les livres que vous aurez pu acheter au cours de ce mois de septembre ou avant, si jamais vous avez des livres que vous avez envie de me faire découvrir. Ça m'intéresse aussi. Je vous dis à très vite, je vous fais de gros bisous et voilà, c'est tout. Ciao! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau book tag. Et oui, encore, je suis désolée. Mais cette fois-ci, c'est un book tag un petit peu spécial parce que j'ai des invités spéciaux à vous présenter.